Genèse chapitre 2, à partir du verset, on va juste lire le verset, logiquement le verset 15. Donc on a parlé de l'homme, l'animalité de l'homme, l'homme qui est un animal, voilà, aussi bien le croyant, le chrétien que les athées, que l'athée, que l'incroyant, l'infidèle, l'incrédule. Maintenant, la différence entre les animaux croyants, chrétiens et les animaux païens, c'est que les croyants ont l'esprit de Dieu qui leur donne la force pour contrôler toutes les pulsions animales. Vous voyez, la colère, la haine, la jalousie, le péché sexuel, tout ça là, la cupidité. Toutes ces tendances-là. Voilà. Donc, on a reçu la force pour maintenir le vieil homme toujours sous nos pieds. Alors que les inconvertis, ben non, ils n'ont pas cette capacité, cette force divine, la puissance de Dieu, pour pouvoir contrôler leurs pulsions. Donc, du coup, ils laissent souvent libre cours à ces choses. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens aussi font comme eux, parfois même pire. Et comme on l'a vu, beaucoup de gens, dans le passé, on nous a fait croire, on a enseigné nous-mêmes hein, que les chrétiens n'étaient plus des hommes animaux, des êtres animaux, selon 1 Corinthiens 2, où Paul dit qu'il y a des hommes spirituels, il y a l'homme spirituel, l'homme charnel, dans 1 Corinthiens 3, et l'homme animal. Donc, il y a même des enseignements, même, je crois que dans les affermissements, hein, les enseignements de base qui sont donnés, c'est ça, non? On enseigne. En fait, ces enseignements qu'on a reçus à l'époque de Campus pour Christ, je me rappelle, on était tout petits, c'était un mouvement américain qui. Ils ont quand même fait un grand travail, notamment dans la distribution des Bibles gratuites. Donc, c'était vraiment une œuvre, je pense, qui venait droit du ciel. Mais néanmoins, il y a eu quand même des enseignements qui n'étaient pas du tout. Je pense que c'est des gens qui ne le faisaient pas forcément exprès. Il y avait des enseignements qui n'étaient pas du tout bien fondés. Et notamment en ce qui concerne les quatre lois spirituelles. On a tous reçu hein, à l'époque, et puis les huit leçons de ce qu'on appelle des affermissements. Et donc, dedans, ben, vous avez justement les trois types d'hommes. Voilà. Donc, il y avait parfois trois cœurs là. On parle de l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel, tout ça là. Et en fait, il faut que tout ça soit réformé aussi. Donc, tous les hommes, tous les êtres humains sont des animaux. Voilà. On a vu, hein. L'homme animal, voilà, la racine du mot traduit par animal, la racine du mot grec traduit par animal en français, signifie âme. Or, nous avons tous des âmes, nous avons tous une âme, aussi bien les êtres humains que les animaux. Voilà, et l'âme est le siège des émotions. Donc, c'est pour cela que vous allez voir dans les églises, il y a beaucoup de combats. Vous voyez, dans les églises, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de luttes entre les chrétiens, entre les pasteurs. Parce que bah, ils laissent libre cours à leur bestialité, à leur animalité. Voilà. Donc, il y a beaucoup de jalousie, de compétition, des querelles. D'ailleurs, si vous lisez bien les épîtres de Paul, de Pierre, Jacques et Jean, toutes les épîtres, vous verrez qu'ils ont eu affaire à ce côté animal de l'homme. Avant de parler du repos, là, je vais justement faire un peu un petit résumé de ce qu'on a vécu, ce qu'on a eu tout au long de cette semaine. Nous sommes, par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, avant de lire Genèse 2. Hein, pardon, et je me laisse guider. Genèse 2, c'est le verset de base. Mais le Seigneur me conduit à prendre 1 Corinthiens chapitre 5 d'abord. Et on a vu qu'il est important pour nous les humains de connaître notre identité. Voyez, je donnais un exemple tout à l'heure à un frère. Je lui disais, si tu fais 1 mètre, si tu mesures 1 mètre 80 et que la porte d'entrée de ta maison fait 1,40 m de hauteur. Si tu ne sais pas, si tu n'as pas la connaissance, si tu ne sais pas combien tu mesures et combien mesure cette porte, eh bien, tu peux à chaque fois hein, te blesser, te cogner. Voilà. Donc, mais si tu le sais, tu vas t'organiser hein, voilà, pour pouvoir y entrer.
sans dommage. Et bien, c'est cela également la connaissance, connaître ce que nous sommes, pour ne pas justement faire n'importe quoi. Il faut savoir que l'homme, nous devons savoir que l'homme est dangereux, très dangereux, pour lui-même déjà. L'homme se met en danger en permanence et aussi il met en danger, en permanence en danger ceux et celles qui l'entourent. Voilà l'homme. Et se confier en l'homme, s'appuyer sur l'homme, c'est se créer des problèmes. David l'a beaucoup appris, cela, se dépend. Il a écrit beaucoup de psaumes pour parler justement de la méchanceté de l'homme. Vous pouvez rendre service à quelqu'un, vous allez vous rendre compte que derrière votre dos, il va faire des histoires sans même vous tenir compte. L'homme est comme ça. L'homme n'est pas, en général, comment dire, reconnaissant. Voilà. C'est ça, l'homme. L'homme n'est pas reconnaissant, très peu. Ceux qui le sont, ce sont des gens qui ont eu une grâce du Seigneur. On voit aussi chez les inconvertis, il y en a qui sont effectivement reconnaissants, mais dans leur globalité, là, les humains, ils ne sont pas vraiment reconnaissants. Ça, c'est l'homme. Plein de détours. On a vu, par exemple, dans 1 Corinthiens 5, au verset... 1 Corinthiens 5, à partir du verset 7. On peut même commencer à partir du verset 6. Votre vanité est mal fondée. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Donc ici, l'homme animal est identifié comme une pâte. Une pâte avec laquelle on fait du pain, on fait, vous voyez, c'est un, voilà, de la farine avec de l'eau, littéralement. Le mot grec signifie ça, farine avec de l'eau, et puis on mélange, et puis ça donne, ou encore de l'argile. Voilà, la pâte. Voilà ce que Paul reçoit du Seigneur, concernant l'identité de l'homme. Dans beaucoup d'églises, on va nous parler de notre identité. Oui, vous êtes des champions. Hein, ça, c'est les gens de la prospérité. Hein. Vous êtes des champions. Vous allez régner sur terre. On va régner maintenant. Tout ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est The Kingdom Now. Ça vient des États-Unis, tout ce monde. Tous ces vendeurs de miracles. Marchands de miracles. Maintenant, ils ne vont pas vous dire qui vous êtes véritablement. Votre nature pécheresse. La nature adamique. Prédisposée au mal. Ils ne vont pas vous dire que vous êtes... que nous sommes faibles et que nous avons besoin de rester dans la présence du Seigneur pour ne pas faire n'importe quoi. Et on va vous gonfler avec des paroles très, très hautaines, très orgueilleuses. Et puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ben, vous n'êtes pas mieux que les autres et que vous pouvez faire des choses qu'aucun autre homme n'a fait avant vous. Et c'est pour cela que c'est important de savoir qui nous sommes. Donc nous sommes des pâtes. Et Paul dit un peu de levain. Il n'a pas dit beaucoup de levain. Or, il se trouve que nous sommes entourés de beaucoup de levain. Vous savez, le levain, qui représente beaucoup de choses dans les Écritures, le péché, qui représente l'hypocrisie, le Seigneur l'a dit par rapport aux pharisiens, il dit aux apôtres, méfiez-vous du levain des pharisiens. Ça peut être une parole. Une petite parole que tu entends qui te gonfle. Juste un exemple. C'est pour cela que ceux qui sont dirigeants, dans n'importe quelle œuvre que le Seigneur vous a confiée, sociale, œuvre spirituelle, je ne sais pas, vous devez être très prudent. Parce que les paroles que vous recevez, les songes que les gens reçoivent, qui vous disent, si vous n'avez pas le discernement, si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dans le Seigneur, ça peut être du levain pour vous détruire. Ça peut aller très loin. Mais très loin. L'homme. Et maintenant, Paul dit un peu de levain. Fait lever toute la pâte. Et en fait, les églises de Corinthe étaient composées de plusieurs morceaux de pâte qui étaient complètement enflés, qui s'étaient enflés, qui avaient gonflé parce que le levain était dedans. Et vous savez que le levain était interdit lors des 6 fêtes, hein, de Yahweh. Mais
Il était toléré, permis lors de la fête de la Pentecôte, bizarrement. Oui. Pendant la Pâque, il fallait les Juifs balayer une semaine avant la Pâque leur maison. Tout bien proprement. Ils secouaient les vêtements, tout ça, même dehors, pour ne pas qu'un grain de levain se retrouve dans la maison, parce que c'était considéré comme un péché. Donc il fallait, de manière méticuleuse, nettoyer la maison de faute en comble pour être sûr et certain que le levain n'allait plus être là. Pendant les prémices également, la fête de prémices, la fête de, je sais pas, de tabernacles, tout ça là. Mais lors de la Pentecôte, le levain était toléré. Or, la Pentecôte, c'est la fête de moisson. La moisson, c'est la célébration de la Torah. C'est aussi la fête de l'effusion de l'esprit. C'est pour cela que là où il y a le réveil, il y a toujours du levain, il y a toujours de l'ivraie. Ben oui. Pour gonfler ceux qui sont censés faire l'œuvre du Seigneur, ceux qui sont censés être arrosés par l'eau de l'Esprit de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Lorsque le blé parut, l'ivraie parut aussi. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'il y a un réveil, il y a deux réveils en fait à chaque fois. Le réveil des enfants de Dieu, ils sont très très petits, un petit nombre seulement, et entourés d'une foule qui est réveillée aussi, mais dans le mauvais sens. Et ils ont, ces hommes et ces femmes, le levain maintenant. Les paroles qui sortent de leur bouche, des propositions, leur manière de vivre. Alléluia. Alors, il dit, ôtez donc le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte. Parce que Christ, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. C'est pourquoi célébrons donc la fête, non avec du levain, du vieux levain, non avec un levain de méchanceté et de malice, mais avec le pain sans levain, de sincérité et de la vérité. C'est terrible ça. Voilà l'homme. Il est tellement dangereux qu'il peut facilement gonfler suite à une petite parole d'encouragement. Tu le reconnais dans le ministère en tant qu'apôtre, tu le tues. Tu le reconnais en tant que diacre, tu le tues. Tu le reconnais en tant que prophète, tu le tues. Nous sommes tellement fragiles que nous prenons du volume facilement. Sur le plan physique, si tu manges beaucoup, tu vas grossir. Sur le plan spirituel, si tu reçois des paroles du levain, tu gonfles. C'est pour ça que nous sommes dangereux. Alléluia. Comme un ballon, plus vous le gonflez, plus il peut s'élever facilement dans l'air. Mais le problème est que cette élévation ne vient pas du Seigneur. Arrivé à un certain niveau, le ballon ne va plus monter. Il va exploser pour redescendre. C'est ça, l'être humain. Et c'est terrible. Alors, cet être humain-là qui est animal, qui a des pulsions déjà en lui, dans sa chair, dans ce côté animal, comme on a vu. En plus de ce problème que nous avons là, en nous, dans notre chair, Paul dit la chair a des désirs, contraires à ceux de l'esprit. C'est-à-dire l'homme animal que tu es, sur le plan physique, a des désirs qui s'opposent à Dieu. Et en plus de ce problème relatif à l'homme, nous avons aussi des problèmes extérieurs à l'homme. C'est-à-dire les paroles des hommes qui nous entourent, les visions et les songes des uns des autres. L'interprétation des visions que nous recevons aussi. Comment on transmet le message que Dieu nous donne? Parce qu'une fausse prophétie qu'on vous donne sur un mariage, ça va vous gonfler et ça peut vous détruire si ce n'est pas de Dieu.
Je vais vous donner des exemples pour nous aider. Mais les personnes concernées, ne vous inquiétez pas. Et c'est juste, je m'en sers de ça juste pour montrer aux frères et sœurs la dangerosité hein, de l'homme. Comment nous pouvons être dangereux. Et surtout, nous, ceux qui sont appelés à gérer, à diriger. Quelqu'un vient me voir et me dit, tel monsieur est sorcier. Mais ça a toujours été comme ça. Ah, la sœur Jacqueline est sorcière. Elle vient me voir. Moi, je reçois cette information, c'est une parole. J'ai mes propres combats d'âme, mon côté animal. Ensuite, j'ai une information qui vient de l'extérieur. Ok. Maintenant, elle a fini de livrer son message. Donc, en disant qu'elle est sorcière, elle s'en va. Elle ne sait pas que la sœur est venue me voir. Et ensuite, elle vient me voir, elle me dit, tu sais, la sœur Intel, Jacqueline, oui, elle est sorcière. Et les deux craignent, aiment le Seigneur. Toi, tu es au milieu. Tu fais comment? Donc, vous voyez un peu la vie sur terre. L'homme animal. Maintenant, c'est toi qui diriges, tu es un homme, si tu laisses libre cours à ton côté animal, eh bien, tu détruis toute l'assemblée. Alléluia. Waouh! C'est pour cela que, en tant qu'homme animal, quand on reçoit des prophéties, des révélations, il faut toujours les soumettre aux autres. En disant, je ne sais pas, je peux me tromper. Je peux avoir mal interprété la chose. Je soumets ça, que le Seigneur nous éclaire. Vous voyez la sagesse? Mais quand on affirme, je disais à quelqu'un, tu as affirmé. Mais toi aussi, on m'a affirmé que tu es aussi dedans. Maintenant, je fais comment? Si moi, je laisse libre cours à mon côté animal, les animaux ne réfléchissent pas, eh bien, tu prends les deux dans un panier. Et ça va retomber sur toi, on va dire, c'est lui qui accuse les gens de sorcellerie. Et si vous dirigez les assemblées, si vous n'avez pas cet équilibre-là en tant qu'homme spirituel, gérant correctement votre côté animal, vous allez tout casser. Et depuis que j'ai commencé l'œuvre, depuis la maison, ça a toujours été comme ça. En plus de toutes ces paroles, nous avons affaire aux démons qui savent que nous avons un côté animal. Et ils l'exploitent correctement. Ils nous connaissent. Si ton côté animal est plus ancré, plus focalisé sur le sexe, les démons ne vont jamais te tenter par l'alcool. J'arrive pour les questions après. Vous voyez, c'est pour cela que les églises, même dans la Bible, quand vous lisez les Écritures, vous allez voir le côté animal de l'homme à chaque fois. Vous avez vu, Salomon, Dieu lui a visité, Dieu lui a parlé, c'était le roi le plus sage. Mais il avait un côté animal qui était mal contrôlé et il a eu plus de 1000 femmes, près de 1000 femmes, 1000 femmes en tout. 700 femmes officielles et 300 concubines. David, l'année où les rois entraient en guerre, il reste à Jérusalem et il voit depuis son balcon une autre femme. Vous voyez, son côté animal, sexuel, animal, là, n'a pas été freiné. Et bien, il a fait tuer son mari. On connaît l'histoire. Ils ont vu les conséquences après. Ça a réveillé l'animalité de toute sa famille. Au point où l'inceste est rentré, viol, inceste. Un de ses fils viole sa fille, la fille de David. Vous voyez, Absalom, tout ça là, son côté rebelle, tout ça là a pris place. Son côté animal, là, rébellion. Et là, il a chassé son père du pouvoir. Vous voyez,
Vous voyez ce que ça donne? Seigneur, David, tant qu'il craignait Dieu, son côté animal était freiné et le côté animal de toute sa famille était contrôlé. Et étant le chef, eh bien, il a ouvert la voie à l'animalité de toute la famille. C'est-à-dire que quand tu vas pêcher, là, quand tu vas ouvrir une porte, là, tu vas, tous les animaux de ta famille, tu vas les activer. C'est pour cela qu'on dit que Dieu va punir les péchés des pères sur les fils jusqu'à la quatrième génération. C'est-à-dire Dieu qui met sa main de protection, là, il va la retirer maintenant et la bestialité de la famille va se réveiller. C'est la présence de Dieu qui met fin à ce côté animal de l'homme. C'est pour cela que le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre, il doit se charger tous les jours de sa croix. Pas de temps à autre, parce que le jour où tu vas laisser la croix, ton côté bestial va se manifester. Là, ce ne sont pas les démons, c'est l'homme lui-même, l'être humain. C'est pour cela l'homme de Dieu, il écoute les uns les autres, les songes les uns des autres, les prophéties les uns, mais il écoute plus Dieu. Tu m'as parlé, c'est bien, je m'en parlais, c'est bien, mais moi, c'est d'abord Dieu. Parce que j'ai une alliance avec Dieu. Tu as une alliance avec le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi directement d'abord? Parce que tu peux être contrôlé. Le côté animal de l'homme cherche à contrôler l'autre. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est-à-dire, on a cette tendance-là, parfois, on ignore sa présence. C'est ça. Vous savez, la présence de l'Église sur terre empêche l'animalité de l'homme impie de se manifester dans toute sa cruauté. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais quand l'Église, qui est le sel de la terre, la lumière du monde, va être ôtée, l'animalité de la bête, on dit bien la bête va arriver. Vous comprenez ça? C'est ça. Et la bête en question, c'est un être humain. Amen. Ben voilà. C'est pour ça qu'Apocalypse 13 nous parle de la bête qui monte de la mer. Et Paul dit, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ah ben oui. Ce et celui. Ce, c'est la présence de Dieu. De l'Esprit de Dieu, et celui, eh bien, c'est le corps de Christ, l'Église qui est encore là, qui freine, qui donne encore un petit goût hein, à ce monde. Parce que nous sommes là. Mais quand on va partir la bestialité, l'animalité de l'homme impie, va être dans toute sa cruauté, là, ça va être terrible. On connaît l'histoire quand on lit les écrits prophétiques. Voilà. Vous comprenez pourquoi Dieu nous demande de méditer la parole tous les jours, de prier tous les jours, de prendre la croix tous les jours? Pourquoi tous les jours il faut être au pied du maître? Pourquoi? Ben oui. Beaucoup de chrétiens ne se connaissent pas. Parce qu'on leur dit, vous êtes des champions, vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes ci. Paul disait qu'il était faible. Il dit, quand je suis fort, c'est là que je suis faible. Et Dieu a dû placer un démon à ses côtés pour que son côté animal ne se développe pas. Parce que son côté à lui, c'était quoi? C'était l'orgueil. Il dit, pour ne pas que je sois enflé d'orgueil. Il était rempli de l'esprit, hein, pourtant. Et Dieu a mis à mes côtés un ange de Satan. Dieu m'a envoyé un ange pour me fouetter tous les jours. Et il avait une charge dans la chair. Il y a des combats que Dieu va permettre à ce que tu vives jusqu'à la fin de tes jours. Tu as beau prier pour que cela cesse. Ne viens pas me voir pour que tu sors de ton désert. Parce que ce combat-là sont salutaires. Ça maintient ton côté animal dans la soumission. Amen. Obligé. Sans la persécution, l'Église devient animale dans toute sa splendeur. Plus tu reçois la parole de Dieu, plus ton côté animal va être activé. Ça peut vous choquer.
C'est pour ça que Paul dit la connaissance enfle. Ben, vous comprenez? Plus tu es éclairé, plus tu vas être enflé sur le plan humain, sur le plan animal que tu es. Et c'est pour cela que Dieu va permettre la persécution. Pour que tu pleures toujours devant lui. Et il dit, l'amour édifie. Or, dans 1 Jean 4, 8, il dit que celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, quand Paul dit l'amour édifie, c'est Dieu, il voulait dire Dieu. Amen. C'est-à-dire que tu as la connaissance, mais reste dans l'amour. Reste devant l'amour. Reste avec l'amour qui est Dieu. Pour être édifié, c'est bâti dans la sainteté, dans l'humilité. Sinon, là, libre cours à toutes sortes de choses. Voilà pourquoi des pasteurs, avec la connaissance, avec l'onction, ils vont prendre plusieurs femmes, divorcer, se remarier. On ne comprend pas pourquoi. Quand ils n'avaient pas l'onction, ils étaient fidèles à leur femme. Ces femmes étaient fidèles à leur mari. Mais quand l'onction a grandi, hein, il y a eu plus de monde, plus d'argent, plus de bénédictions hein, dans les affaires, mais ils ne prient plus. Pour témoigner de Jésus, on commence à dire, non, il faut la sagesse, votre image. Quelle image, là? Quelle image? Je suis fier d'être chrétien. Même si les gens du monde ne veulent pas de moi, mais tant pis. Mais je ne veux pas avoir honte de témoigner de mon Dieu dans ce que je fais. Voilà. Nous sommes dans un monde où les gens ont peur de dire qu'ils sont chrétiens. Où les gens ont peur de témoigner. Frère, je suis chrétien. Je suis fier d'être disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Si ça ne vous plaît pas, mais tant pis. Voilà. Oh Seigneur, l'animalité de l'homme. Et lors des réunions d'église, ce côté animal s'active aussi. C'est pour ça que Paul dit dans Éphésiens, dans Galates, il dit faites attention, vous risquez de vous détruire les uns les autres. Ben oui. La course au pouvoir, on voit ça dans les églises. La course au micro, dans les églises. Des gens qui disent tout le matin, tous les quatre matins, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ils sont dans les églises. Il n'y a que ça. Ce sont des animaux activés, réveillés. Et maintenant, imaginez maintenant, ces animaux doivent servir Dieu. Imaginez. Alors, comment faire en tant qu'homme animal et en même temps homme spirituel pour les chrétiens? Comment faire? Parce qu'il y a deux. Il y a l'homme animal et l'homme spirituel. Mais là, les deux s'opposent selon Galates 5. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux. Vrai ou faux? Ben voilà. Et ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passion. Paul a dit ça, non? On crucifie. C'est-à-dire, là, c'est le verbe, c'est toujours au présent, dans le présent. C'est-à-dire, crucifie. Parce que tout le jour, il faut prendre la croix. Parce qu'il y a une guerre en toi. Mange, ne mange pas. Prie, ne prie pas. Pardonne, ne pardonne pas. Lève-toi pour aller prier. Non, ne te lève pas. Qui n'a jamais expérimenté cela? Ben alors. Alors, Dieu nous dit, Genèse là-bas, dans 2,15, le chapitre 2, verset 15, Dieu, après avoir créé l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Yahweh Dieu prit donc l'homme et le mit. Il l'a mis où? Voilà, c'est Yanak. Qui veut dire se reposer, tout simplement. Yahweh Dieu prit donc l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen.
En fait, pour le cultiver ici, c'est littéralement travailler. Pour travailler dedans. Et pour le garder. Écoutez maintenant. Je lisais ce passage en Suisse la dernière fois, le Seigneur commençait à m'enseigner là-dessus. Et je donnais cet enseignement sur travailler dans le repos. Et l'âme animale a besoin du repos de Dieu pour travailler correctement. Parce que s'il n'y a pas le repos, il aura affaire aux pulsions charnelles constamment. Il risque de céder tout le temps. Vous savez, nous sommes dans une génération, nous sommes un peuple troublé. Nous sommes des êtres troublés en permanence. Il n'y a qu'à voir comment nous conduisons sur les routes. Regardez bien. Tu conduis, quelqu'un te dépasse. Là, il ne faut pas. Il est pressé, il va s'arrêter 50 mètres après. Sur un stop ou un feu tricolore. On dit, mais tout ça pour ça. Il est troublé. Nous sommes troublés tous. Vous prenez le métro, tout le monde court. Prenez le train, tout le monde court. Ils sont troublés. Ils s'insultent entre eux. Ils sont troublés. T'allumes la télé, que de mauvaises nouvelles. On est troublés. Tu ouvres une boîte aux lettres, ton cœur bat vite. Tu es troublé. Tu vas travailler, ton cœur déjà commence à battre fort parce que tu te dis, mon employeur va encore me prendre la tête. On ne sait pas où est-ce qu'il va la mettre. Alléluia. On t'a tellement pris la tête que tu n'en as plus. Une belle langue le français. Alléluia. Oh Seigneur, quel peuple troublé. Ils sont là, excédés dans leur voiture. On dit, il est troublé celui-là. Il crie en feu rouge. On dit, il est troublé. Ah, il y en a qui vont boire pour oublier le trouble. Mais quand ils se réveillent après, le trouble est toujours là. Le trouble peut venir de ton mari qui te cause des problèmes dans le foyer. Tu es troublé. Ta femme, ton enfant, ta mère, ton père. Au travail, problème de papier, troublé. Tu vois la police, tu changes de route. Alors, là où tu vas, c'est juste en face. Mais tu fais un détour. On dit, tu vas où? Je veux à ED. Mais ED en face, non. Je passe par là-bas parce que je sens que c'est mieux. On dit, maintenant, il est troublé. Qui a déjà rencontré les troublés? Alléluia! Ok. Tu as une entreprise, tu as embauché des gens. Il y en a qui sont chrétiens, mais tu es aussi troublé. Tu manges quelque chose, ça ne passe pas. Tu sens que ça gargouille là-dedans, là. Tu es troublé. Et tu cours quelque part. On dit, qu'est-ce qui lui arrive? Il est troublé. Et c'est cet être-là maintenant qui va dire que Dieu n'existait pas. À imaginer maintenant quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui est troublé, quelqu'un qui se sent mal dans sa peau. Et vous confiez cette personne une tâche. Dans le trouble, tu travailles, tu n'iras nulle part. C'est pour cela que Dieu, il a pris Adam, il a pris, il a fait se reposer littéralement dans le jardin. Il a mis dans le repos. Et le verbe ici, yanak, c'est se reposer, c'est shabbat, ça va donner shabbat plus tard, on va le voir. Il y a aussi shabbat, pardon, et se reposer. En fait, Dieu, c'est comme s'il disait à Adam, tu dois, voilà, j'ai construit, j'ai planté ce jardin en Éden, d'accord? Il y a toutes sortes de fruits, tu dois travailler ce jardin, tu dois le cultiver, le travailler, et non seulement le travailler, mais le garder, en prendre soin. Mais pour faire ce travail, là, c'est deux fonctions. Celle de cultivateur, d'agriculteur et de gardien, de sentinelle, eh bien, il faut que tu sois dans le repos. Parce que si tu es troublé, tu ne pourras pas travailler pour moi. C'est pour cela que Dieu, avant de confier un travail à quelqu'un, il l'amène d'abord dans le repos.
la paix. Beaucoup sont agités, beaucoup d'agitation. On ne travaille pas pour Dieu dans l'agitation. Comme une feuille, on va faire n'importe quoi. Et si tu n'es pas dans le repos et que tu travailles pour le Seigneur, les nouvelles que tu vas recevoir des uns des autres, les prophéties, les visions, tu vas agir charnellement. Tu ne vas pas prendre du recul pour réfléchir et tu vas commencer à prendre des décisions charnellement. Et si ces prophéties ne sont pas du Seigneur, tu vas être manipulé, contrôlé par l'ennemi. Et tu deviens un véhicule dirigé, alors que tu as l'esprit, par l'ennemi. Je disais au Seigneur, un jour le Seigneur m'a posé la question, tu sais pourquoi Paul était souvent en prison? Je dis non, il était persécuté. Il me dit oui, mais c'est moi qui permettais cela. C'est moi qui le mettais en prison pour qu'il soit dans le repos. Et c'est là qu'il a eu des grandes révélations. Parce que dans l'agitation des frères et sœurs, tu ne peux pas recevoir des choses. Repos, sois là. Et l'épître aux Hébreux au chapitre 4, l'auteur de cette épître nous invite au repos. Entrez dans le repos de Dieu. Ceux qui sont troublés, ils vont pécher volontairement, ils vont courir après les femmes. Ceux qui sont troublés, ils vont se battre, ils vont pleurer pour le mariage. Quand j'entends les frères, je dis, celui-là, il est troublé. Celle-là est troublée. Comment voulez-vous entendre Dieu correctement si vous êtes dans l'agitation, dans les pleurs pour des choses de ce monde? Vous avez vu, quand Dieu s'est révélé à Élie, il y avait un tremblement de terre. Il y a eu un feu. Dieu n'était pas dans tout ça. Il y a eu un doux murmure. Et là-dedans que le Seigneur était, le repos. Il y a des frères que vous connaissez, que certains connaissent, qui étaient avec nous. Il y en a, je leur disais, mais vous courez partout. Il faut être dans le repos du Seigneur. Ah, viens à gauche, à droite, ah, viens à gauche. Non, mais il faut, oh là, calme-toi, là, calmez-vous là. Non. Vous savez le nombre de fois où je reçois des messages des uns des autres depuis des années. Je me rappelle. Ça, c'est le repos, là, quelque chose de capital. Vous ne pouvez rien entreprendre pour le Seigneur, même dans la vie de tous les jours, si vous êtes dans l'agitation. Rien. Des messages, de toutes sortes de messages. Je vous ai dit hier ou avant ça, je ne sais plus, quand il y a eu les réunions de réveil, quand on a commencé nouvellement, un frère prédicateur, dirigeant d'église est venu me voir pour me dire non, il faut arrêter, les gens sont idolâtres. Dieu a dit, il faut arrêter. Quelques jours après, quelqu'un d'autre qui craint Dieu vient me voir pour me dire, non, le Seigneur veut que tu continues, alors que les deux ne se connaissent pas forcément. Si tu n'es pas dans le repos, là, si tu n'es pas, comment veux-tu garder ce jardin-là, ce travail-là? Comment veux-tu travailler dedans, cultiver tout ça-là? Il faut le repos. Donc Dieu prend l'homme, il forme l'homme, il plante un Éden, il dit ça, c'est ton ministère, maintenant viens. Mais pour travailler dedans, là, je dois d'abord te faire reposer, tu dois goûter à mon repos. Voilà, on nous dit que Dieu lui-même va se reposer, c'est-à-dire le repos ici, c'est cessation d'activité. Il y a des activités là qui sont autour de nous, là, tout ça, toutes ces activités là, machin, un tel a dit sur toi, un tel a dit sur toi, un tel, toutes ces activités là, il faut arrêter cela. Voilà, tu fermes tes oreilles à tous ces dires, à tous ces, et tu es dans le repos. Oh, tu sais, un tel a fait une vidéo contre l'un, c'est bon, allez, on est dans le repos là, on laisse aller, on n'a pas le temps, rachetons le temps. Être dans les cancans, les histoires, un tel a dit, t'as vu un tel là-bas, t'as vu si, t'as vu, non, moi je n'ai pas le temps pour ça là. Non, je n'ai pas le temps, je n'ai plus le temps. Voilà. Beaucoup d'agitation. Il y a beaucoup, beaucoup d'agité. Comme des feuilles. Pff, à tout vent de doctrine, ça part là. Yeah, ça revient ici. Ils vont d'église en église, ils ne sont pas en repos. Ils cherchent à chaque fois des pasteurs pour les prophéties, ils ne sont pas en repos. Celui qui est dans le repos, qui est devant le Seigneur, qui est avec le Seigneur, il ne court pas à gauche, à droite. Non.
il ne va pas lire les livres écrits par les hommes, même par moi, plus que la parole de Dieu. Non. Non. Parce qu'il se repose dans la parole, il se repose dans le Seigneur. Et vous savez comment commence la vie chrétienne? La vie chrétienne commence, vous savez, nous sommes des marcheurs, hein? Mais la vie chrétienne, bizarrement, commence par la position assise. Éphésiens 2 le dit, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Christ. Ah, il nous a fait asseoir. Donc nous travaillons sur le plan spirituel étant assis en Dieu. Être assis, c'est la position d'autorité, la position de paix, de quiétude. Vous voyez, on est dans l'assurance. On n'est pas agité à gauche, à droite, tout ça. Je dois démontrer, je dois faire ci, je dois faire ça. Je dois prouver que je sais prêcher, que je sais enseigner. Je dois prouver que je sais jeûner. Non, pourquoi tout ça là? Dans le repos. C'est pour ça que je dis aux frères et sœurs, vous voulez le ministère, prenez-le. Les églises que Dieu m'a fait implanter ici et là, vous voulez les garder, mais gardez, il n'y a pas de problème. Le repos. Mais vous ne me détruirez pas mon repos. Non. Parce que les gens qui sont agités, qui vont vous partager leurs problèmes, ils peuvent vous contaminer leur agitation. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont sortis de la volonté du Seigneur parce qu'ils se sont laissés entraîner par deux ou trois rebelles. Ben, ils sont dans l'agitation. Ben, et puis, quelques temps après, ils se rendent compte qu'en fait, ils se sont mal comportés, mais ils ont perdu quelque chose. Le repos. Pourquoi toutes ces agitations-là? Psaume chapitre 2. Déjà, il ne faut pas oublier que nous sommes des animaux. Selon les Écritures, des animaux qui doivent être soumis au Seigneur. Hein. Il y a des brebis, il y a des boucs, il y a des serpents, il y a des, on a vu, hein, race de serpents, tout ça. Donc, et s'il n'y a pas le repos, là, ben là, la chair. Alors, pourquoi cette agitation parmi les nations? Psaume chapitre 2, verset 1. Et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Voyez, pourquoi cette agitation parmi les nations, donc dans les nations? Mais voilà ce qui se passe dans les nations. Beaucoup d'agitation, des guerres ici, des troubles là-bas, division. Il y a des guerres entre les peuples, hein, le nord, le sud, la guerre, des tueries, des massacres, comme au Soudan du Sud, au Soudan du Nord, comme en RDC, comme vous le voyez. Toute cette agitation-là, toutes ces agitations, il y en a plusieurs. Pourquoi? David a dit. Pourquoi? Les nations sont agitées. Même le monde est agité. Troubles, tsunami, tremblement de terre, changement climatique. Vous ne voyez pas qu'il y a de l'agitation là? Ben si. Nous sommes dans un monde qui est déjà agité sur le plan spirituel. Des lois iniques sont votées. On encourage toutes sortes de mal. Et sur le plan physique, ben la terre est agitée. La terre, selon Romains 8, éprouve les douleurs de l'enfantement. La création entière soupire après la révélation des fils de Dieu, parce que même la création n'en peut plus. Voyez, il y a trop de sang qui coule, trop d'agitation, trop de division, trop de guerre, trop de racisme, trop de tribalisme, trop de guerre entre les Juifs, entre Israël et la Palestine, entre des populations voisines, tout ça. C'est des troubles sur troubles. Et nous, nous sommes là-dedans. Et dans les églises, n'en parlons même pas, troubles sur troubles. Agitation sur agitation. Et maintenant, comment voulez-vous que les gens servent le Seigneur correctement? Chacun de nous a un jardin que Dieu lui a confié, qu'il doit cultiver et garder. Ce jardin, ça peut être d'abord c'est ta vie. Tu dois d'abord te garder toi-même. Le Seigneur dit, garde-toi dans la sainteté. Chacun doit posséder son corps dans la sanctification. 1 Thessaloniciens 4 le dit. Donc, le premier jardin, c'est ton cœur. Et le proverbe nous dit quoi? Veille sur ton cœur plus que sur toute chose. Plus que toute chose. Veille. Donc ce jardin-là, c'est d'abord ta vie. Parce que tu auras des comptes à rendre. J'aurai des comptes à rendre sur la gestion, de la gestion que j'aurais eue de ma vie. C'est ça. Paul nous dit, celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est ça. C'est-à-dire, si tu te détruis toi-même, tu seras détruit par le Seigneur. Donc ce jardin, c'est toi. Tu dois le travailler. Le cultiver. Comment? Dans la prière, dans la méditation quotidienne de la parole du Seigneur. Eh bien, tu vas travailler ce jardin que tu es, ton cœur,
Hein, tu vas veiller sur toi-même parce que tu sais que si tu ne veilles pas, parce que tu dois garder ton corps dans la sainteté. Tu sais que tu as ce côté animal hein, qui veut absolument plaire aux hommes, plaire aux femmes, qui veut à tout prix plaire à tout le monde. Hein. Donc, tu dois contrôler tous les jours ce côté-là pour ne pas céder aux pulsions charnelles. Ça, c'est le premier jardin. Ton cœur, ton âme, tes pensées, ta bouche, ta langue qui peut embraser une forêt. Tu dois la surveiller, la contrôler. Tes oreilles pour ne pas écouter des insanités, hein, des inepties, des méchancetés. C'est important. Ton corps, comment tu t'habilles pour ne pas séduire les autres, pour ne pas exposer ton corps, mettre ton corps en valeur. Parce que ton corps appartient d'abord au Seigneur, à ta femme si tu es mariée, à ton mari si tu es mariée, ma soeur. Tout ça, te contrôler. Et ensuite, il y a tes enfants, si tu as des enfants. C'est un jardin que tu t'as donné. Ils doivent être arrosés. Tu dois prendre soin de ta famille, pas lever la main sur tes enfants. Toi qui es chrétien, chrétienne, quel est l'exemple que tu leur donnes? Une mère qui lève la main, qui frappe les enfants au lieu de discuter, de partager, d'échanger, d'encourager, d'accompagner les enfants dans leur projet. On aura des comptes à rendre sur la manière dont on aura éduqué nos enfants. Bien sûr. Et ensuite, donc c'est toi-même d'abord, le premier jardin, ton cœur, ton âme, tes pensées, tu dois contrôler tout ça. Et tu as tes enfants, ta femme, ton mari, et donc ta famille, en gros. Si quelqu'un ne prend pas soin de sien et principalement de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi, 1 Timothée 5,8. Et ensuite, tu as aussi l'œuvre que le Saint t'a confiée. Parce que tu es sur terre pour en faire un travail pour le Seigneur. Tu n'es pas venu par hasard. Tu as un travail à faire pour le Seigneur et il te le dira. Ne cherche pas forcément à avoir un travail pour le Seigneur, mais laisse le Seigneur te confier un travail. Donc si tu as confié à les veuves, les orphelins, si tu as confié à la gestion, je ne sais pas, de frères et sœurs dirigés, tout ça là, tu dois savoir que tu auras des comptes à rendre. Donc tu dois être un bon gestionnaire qui écoute plus le Seigneur que son mari ou sa femme. C'est important. Adam a écouté plus sa femme et nous en sommes là aujourd'hui. Vous voyez? Il n'a pas géré correctement. Abraham a écouté plus sa femme à un moment donné et il a eu Ismaël alors que ce n'était pas prévu par le Seigneur. Donc il y a tous ces côtés-là qu'il faut savoir. Chacun doit savoir qu'il aura à rendre compte au Seigneur de manière personnelle. Voilà. Comment tu t'occupes de l'œuvre que le Seigneur t'a confiée? Comment tu t'occupes de l'argent que le Seigneur t'a donné? Parce que ce que tu gagnes là, c'est pas pour toi. C'est le Seigneur qui te donne la force, qui nous donne la force pour gagner cet argent. Donc on doit lui demander comment il veut qu'on gère cet argent. Il y a des orphelins quelque part qui n'ont pas à manger. Il y a des veuves quelque part qui n'ont pas à manger. Il y a des familles quelque part qui n'ont pas à manger. Il y a des missionnaires à envoyer en mission pour aller évangéliser. Il y a des Bibles à faire imprimer pour diffuser l'évangile. Il y a tout ça à faire. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils ne comprennent pas qu'ils vont tout laisser. Qu'on a plutôt intérêt à investir dans le Seigneur, dans le social, pour aider son prochain, son voisin. Tout ça. Vous voyez? Et donc, tous ces jardins-là. Comment voulez-vous les garder correctement? Et travailler correctement là-dedans s'il n'y a pas le repos? Eh bien, on va t'agiter, on va te balloter, emporter comme Éphésiens 4 le dit, à tout vent de doctrine. Voilà. Ah ben là-bas, il y a une nouvelle doctrine, on court. Là-bas, il y a un prophète terrible, on court. Là-bas, il y a telle chose, on court. Mais vous courez après quoi, après qui? Vous voulez quoi? Vous cherchez quoi? Honnêtement, vous cherchez quoi? Une délivrance? Mais vous pensez que vous allez la voir auprès des hommes? Vous n'avez toujours pas compris que vous avez plutôt intérêt à aller vers le Seigneur? Arrêtons d'être toujours là pour chercher à aller... Moi, je vois des frères, parfois, ils t'appellent. « Ah, ben frère, on veut te voir. » Je dis, ben, il y a des frères qui peuvent vous voir. « Ah, ben, il n'y a pas de souci. » Donc, il faut arrêter de vouloir à tout prix vous focaliser sur un frère en particulier. Hein, vous posez la question là-bas, mais vous voulez à tout prix le voir, lui. Non. Ou elle. C'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas être dans le repos. Voilà. Allez, souvent, posons d'abord des questions à Dieu. Celui qui est de Dieu, Dieu lui parlera.
Maintenant, s'il le reçoit de Dieu, s'il a un doute, hein, il se dit, bon, peut-être, il peut poser la question à un aîné de la foi, à une femme qui a de la connaissance, qui a de l'expérience, ou à un homme, il n'y a pas de problème. Mais soyons dans le repos. Moi, je vois des gens qui sont pas dans le repos. Tu le vois? Beaucoup d'agitation, beaucoup de... Tu sais, mais qu'est-ce qui vous arrive là? Ah, mais frère, on a des problèmes. Oui, mais tout le monde a des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même terrible, quoi. C'est-à-dire, des chrétiens sont focalisés sur leurs problèmes personnels, donc ils ne s'occupent même plus du jardin du Seigneur. C'est l'égoïsme. Beaucoup sont égoïstes. Et Paul dit à la fin de temps, dans 2 Timothée 3, sache qu'il viendra, ils surgiront des temps terribles surgiront tout ça et surviendront. Il dit les hommes, les êtres humains seront égoïstes. Ils vont être idolâtres d'eux-mêmes. Il a décrit les caractéristiques des hommes et des femmes de notre génération. Voilà, la bestialité en fait. Quand vous lisez ça, ce sont des bêtes que Paul décrit ici. Des animaux. La méchanceté, la haine, la jalousie, la cupidité, tout ça, l'orgueil. Vous voyez, c'est la bestialité, le côté humain là, le côté animal là, que Satan exploite. Mais il sait que nous avons ce côté-là. Vous voyez, il sait. Il sait. C'est la porte d'entrée des démons. Voilà. Alors il faut rester dans le Seigneur, dans sa présence, pour contenir cette chose. Paul dit, le Seigneur va nous libérer de ce corps d'humiliation. Vous voyez, non? Ouais. Notre problème, notre plus grand problème, ça vous le savez, c'est notre corps. Voilà. C'est notre corps. Alors, il faut le repos. Et Dieu dit, je vous donnerai du repos. Il a promis le repos aux enfants d'Israël. Il leur a promis le repos. Il dit, je vous amène dans un pays où vous aurez le repos. Vous allez avoir le repos. Hein, vous allez avoir du repos, tout ça. Et ensuite, il a donné du repos, c'est écrit à Salomon. Et Salomon a pu bâtir le temple dans le repos. Mais il ne pouvait pas bâtir le temple pendant les guerres. C'est impossible. Comment voulez-vous bâtir quand il y a des guerres? Quand il y a des guerres, il y a des destructions. Mais il faut une période de paix, de repos, pour pouvoir construire, bâtir. Même s'il y a des troubles autour de vous, mais vous êtes dans le repos, vous continuez à bâtir, à travailler. Autour de vous, les gens s'agitent, mais vous, vous travaillez. Vous voyez? C'est ça le problème. Ne traînez pas avec les gens qui s'agitent. Vous allez finir par vous agiter. Non. Vous devez choisir. Vous ne devez pas subir l'amitié des gens qui sont troublés ou qui parlent tout le temps, qui critiquent tout le temps, qui murmurent tout le temps, qui sont hypocrites. Vous allez vous laisser contaminer et puis après, vous passez à côté. Vous savez, je vous dis une chose, la vie chrétienne est déjà pas facile. Moi, je vois parfois des rencontres que certains frères et sœurs font, même quand j'ai des missions ici et là, il y a des gens qui viennent, bon, et c'est bien, les gens, ils sont libres. Mais parfois, il y a des gens qui se rencontrent, qui se connectent, tout ça. Mais parfois, je me dis, mais celui-là, là, il se connecte avec un tel. Il ne sait pas qui est cette personne-là. Mais tu ne peux pas toujours dire, tu dis, déjà, j'ai mes propres combats. Donc, et comme je ne suis pas le pasteur de quelqu'un ici, je dis, ben, voilà, vous allez vous ramasser des amitiés qui vont vous troubler et détruire ce que le Seigneur a commencé avec vous. Le repos. Vous épousez une femme troublée, vous allez épouser le trouble. Vous épousez un homme troublé, vous épousez le trouble. Il y en a, ce sont des ouragans, ils passent quelque part, là, tout est renversé. Ils sont troublés. Vous le recevez chez vous, une fois, ou dans votre assemblée, tout est renversé. Depuis qu'il est rentré dans notre famille, c'est problème sur problème. Depuis que je connais cet homme-là, problème sur problème. Ma vie a changé. Tout est cassé.
un tsunami qui est passé par là. Et pas un bon tsunami spirituel, mais c'est celui de l'ennemi. Tout cassé. Il y a des couples comme ça. Vous hébergez une femme, et puis derrière, le monsieur, il part avec. La femme part avec le mari. On a connu ça, bien sûr. Trouble. Il y a des gens qui étaient dans le repos, qui ont fréquenté les assemblées, et ils sont troublés. Leurs affaires sont tombées à l'eau. Parce qu'ils sont rentrés dans un endroit où il y avait des troubles. Et bien, ils ont été pillés, dépouillés. Ah oui, le repos. Comment voulez-vous être dans le repos si votre pasteur est constamment sur vous? Vous n'avez pas payé la dîme, il faut payer la dîme ce mois-ci. Il faut payer ici. Vous savez, nous allons faire telle chose. Bon, qui a 1000 euros, qui a 500 euros, tout ça. Vous savez, il faut se mettre dans l'œuvre du Seigneur. Il faut ci, il faut ça, il faut la dîme. Là où on parle d'argent, là, ils sont dans le trouble. L'Église du Seigneur ne doit pas parler d'argent. C'est Dieu qui convainc les cœurs pour soutenir librement l'œuvre qu'il fait. C'est ça. Il va même donner soin aux païens, aux inconvertis, pour qu'ils gagnent de l'argent pour soutenir son œuvre. C'est écrit dans la Bible. Mais le salaire de chien, c'est interdit. Alléluia. Voilà. Beaucoup sont troublés. Beaucoup sont troublés. Je finis bientôt. Ils sont là. Tu leur dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ma soeur, mais pourquoi tu ne fais que pleurer du matin au soir? Mais tu vois qu'il y a un problème. Et vous savez, Dieu n'exauce pas les gens quand ils sont dans le trouble. Non. Dieu veut que nous soyons dans son repos. Amen. Seigneur, vous savez l'assurance c'est quoi? C'est le repos. Vous voyez? L'assurance c'est quôt? Un lion rôde autour de toi. Rugit. Mais toi, tu es calme. Vous avez vu Daniel dans la fosse aux lions? Il était dans le repos. Parmi les lions, dans le repos. Le Seigneur dit, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mais nous sommes dans le repos. Le repos, c'est la prudence. Nous sommes dans le repos. Maintenant, si toi, tu te mets à t'arrêter sur les loups. Oh, il y a un loup là-bas. Oh, il y a un loup là-bas. Oh, il y a un loup là-bas, frère. Nous savons qu'il y a des loups. Ben alors, c'est pas nouveau. C'est pour cela le combat spirituel qui vient de la RDC. Là. Ça, c'est le diable même, mes amis, qui joue cette femme-là. C'est-à-dire, on voit un cafard, démon. Il ne faut plus saluer ton frère, ton père, parce qu'ils sont sorciers. Celui qui est dans le repos, quand il voit un sorcier, il le prend dans ses bras. Alléluia! Oh Dieu, vous avez peur alors que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'en dis vous petits enfants, il n'a pas dit vous vieillards, vous petits enfants, vous les avez vaincus. C'est-à-dire, nous sommes dans un royaume où les petits enfants sont des vainqueurs, sont des victorieux. Ah! Jesus. Vous avez vu Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, mais dans le repos. On nous dit qu'ils marchaient tranquillement parce qu'il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme qui était là, à côté. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Amen. Ah! Jesus. Le maître arrive. Oh, le maître arrive, j'aime ça. Le pan de sa robe remplit ce lieu. Vous avez vu ça? Le maître est là. Porte et levez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Assis sur son trône. Sur le trône, tu règnes à jamais.
Oh! Assis sur son trône, il règne à jamais. Assis sur le trône, Jésus, il règne à jamais. Le roi est assis sur le trône. Oh, paix. Il règne à jamais. L'agneau est assis sur son trône, sur le trône. Tu règnes à jamais. Jésus sur son trône. Ton repos, l'assurance, quels que soient les dires des gens, ne cède pas, ne les écoute pas, reste dans l'assurance, dans le repos, n'agis pas par rapport aux autres, n'agis pas par rapport à ce que tu entends, mais agis par rapport à ce que Dieu te dit. Oh, alléluia. Le repos. Jésus est le Shabbat. Mon Shabbat, Jésus. Jésus, oh. Jésus est. Il a dit le Shabbat a été fait pour l'homme. Le repos a été fait pour toi, femme. Le repos a été prévu pour toi. Le repos. Tu vas rentrer ce soir chez toi dans le repos. Voici ta guérison. Voici ta délivrance. Voici ta délivrance. Maintenant, il y a des délivrances là, il y a des guérisons là. Maintenant, démons, sortez, allez, sortez, sida, cancer, hépatite, diabète, dehors. Ça sort là, au nom de Jésus, ça sort, les liens familiaux, ça brise. Maintenant, l'impudicité, dehors, quitte ce jeune homme, sors, serpent, maintenant, le repos, dans tes sommeils, le repos, dans ton sommeil désormais,
le repos. Tu n'auras plus peur de la nuit. Christ est notre repos. Alléluia. Ce sera le message. Jésus est notre repos. Ce démon de famille sort ce soir, ma soeur. Ce démon de mari de nuit quitte ton âme ce soir. Ce démon de mort te quitte maintenant. Il sort de ton âme. Celui qui mettait le désordre dans ta famille, il s'en va. Au nom de Jésus. Celui qui amène le trouble, Dieu le confond. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Le repos, que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint parce que tu es dans le repos. Et le repos, c'est Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Dieu le plus beau, le Dieu de gloire. Oh, alléluia. 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 Même si ton père est attaqué, même si ta mère est attaquée, toi, reste dans le repos. Car Dieu t'a placé dans ta famille pour apporter l'assurance, pour apporter le repos. Yeshua dit qu'il est le repos. Voici le repos. Voici le repos. Voici le repos. Ne va plus exposer tes problèmes aux hommes. Expose-les à Dieu d'abord. De cela, le repos. Alléluia. Ô Père. Ô Père. Ô Père. Oh Seigneur, un mari de nuit, s'il a lâché une femme, quelqu'un de ta famille vient t'agresser, quelqu'un de ta famille ne veut pas de mariage dans la famille, la puissance de Dieu apporte la joie, le repos, l'assurance, la guérison, la restauration, au nom de Yeshua. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Alléluia. Ma paix, c'est le repos. Quand tu es reposé, tu es un homme habile. Quand tu es reposé, je marche avec toi. Mais vous, plusieurs d'entre vous, marche dans le trouble. Marche dans le trouble. C'est pour cela que vous n'avez pas la paix en vous. Si vous n'avez pas la paix en vous, c'est que vous n'avez pas mon amour. Je vous invite de marcher maintenant. De marcher et de rentrer dans mon repos. Car dans mon repos, il y a la joie. Dans mon repos, il y a la paix. Dans mon repos, il y a l'amour. Je marche au milieu de mon église. Enseignez ce repos. Enseignez ce repos. Enseignez ce repos. Car ma joie est en vous. Ceux qui me craignent marchent dans mon repos et dans mon intimité. Car le repos, c'est l'intimité. C'est dans cette intimité que je parle. C'est dans cette intimité que je vous visite. En vision, en songe, je vous parle. Plusieurs d'entre vous, je parlais. Mais quand vous êtes troublé, c'est pour cela que vous n'avez pas la paix. C'est pour cela que vous n'avez plus de vision, ni de prophétie. Plusieurs d'entre vous, vous prophétisez auparavant. Pourquoi vous ne le faites plus? C'est parce que vous êtes troublé. C'est parce que vous manquez la joie. Mais je vous invite, rentrez dans mon repos. Car il est encore temps. Car il est encore temps. Car il est encore temps. Il est encore temps de rentrer dans mon repos. Je vous invite. De rentrer dans mon repos. De rentrer dans mon repos. Car le repos, c'est moi-même. C'est moi-même le repos. Jésus est notre repos. Seul le Seigneur, on a presque fini, peut nous libérer de l'homme animal. Yeshua. Voilà le message. Cherchez-le. Allez vers lui. Invoquez-le. Craignez-le, craignons-le, et il ne cessera d'agir dans nos cœurs, dans nos pensées. Ne vous précipitez pas dans les décisions, car on ne prend pas de bonnes décisions quand on est dans le trouble. Et ne vous laissez pas troubler. Vous avez vu Sanhérib comment il a amené le trouble en Israël.
juste des paroles, juste une lettre, ça a troublé tout le monde. Ésaïe 7 nous dit que le cœur du roi Akaz une fois été troublé, secoué comme une feuille par le vent, comme un arbre. Le repos. Les gens sont là pour aussi, il y en a, ils sont là pour nous troubler. Ah mais tu as quel âge? Ah mais tu es marié, tu n'as pas encore d'enfant. C'est pas normal. Ah mais quand est-ce que tu auras un enfant? Vous voyez tout ça là, dans les églises, on entend ça, dans le monde, dans nos familles. Donc ça peut nous amener à poser des actes juste pour leur plaire. Paul disait, est-ce je cherche à plaire aux hommes ou à Dieu? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Arrêtons d'écouter plus les hommes que Dieu. Écoutons Dieu. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a sauvés. Et c'est lui qui a des projets pour nous. Alors pourquoi se précipiter? Les jeunes sœurs, c'est pareil. Vous avez un frère que vous estimez que c'est lui votre ton mari. Reste dans le repos, même si d'autres personnes tournent autour. Mais restez dans le repos. Pourquoi cette agitation? L'assurance. La foi, c'est l'assurance. L'assurance, c'est la foi. La sûreté. Voilà. Celui qui est dans le repos, c'est celui qui fait confiance au Seigneur. Voilà. Seigneur, tu ne sais pas lui, ce n'est pas grave, je compte sur toi. Je sais que tu es tout pour moi. Et c'est ce qui m'importe, le repos. Donc ça a été un plaisir pour nous d'être avec vous durant cette semaine pour la formation de Didasco. Et que le Seigneur soit béni et restons dans la sanctification, la crainte de Dieu. Et que Dieu vous garde.